Bon, je suis habitué à ça, vous plantez le décor en prenant un lycée et puis vous dites, regardez, c'est comme ça partout, vous généralisez, il faut faire une table ronde et en discuter. D'abord, nous, on ne discute pas, on agit, surtout face à l'urgence que l'on a trouvée dans les lycées. Mais habituellement, quand même, vous prenez des établissements, puisque ce sont des choses qui arrivent et qu'on ne prend pas à la légère, où il y a des difficultés. Le lycée Doineau à Corbeil-Essonne, vous dites qu'il y a une grève, il y en a du personnel, il n'y en a pas. Vous dites qu'il y a des suppressions de postes, il n'y en a pas. Vous évoquez 7 agents absents. Pour moi, et j'ai fait le point vraiment très sérieusement, il y a un agent absent sur les 40 postes. Donc voilà pourquoi ça fait quand même tomber la démonstration que vous avez voulu faire. Et quant à l'intérim dans les lycées, écoutez ce chiffre, je crois que ça clôt tous les débats. Il y a 13 intérimaires à l'heure actuelle dans les plus de 450 lycées franciliens. Voilà.